Sophie Davant s'apprête à faire son retour sur petit écran après avoir été évincée d'affaires conclues. Elle fait des confessions sur une éventuelle carrière d'actrice. Une émission qui tombe à pic pour l'ancienne animatrice d'affaires conclues. Après son départ du programme quotidien de France 2, Sophie Davant prend les rênes d'Une bonne compagnie, un nouveau magazine animalier dont la première sera diffusée ce samedi 20 janvier sur France 3. L'animatrice avait déjà eu l'occasion de présenter des primes sur les animaux de compagnie avec l'émission Un ami pour la vie. Depuis août 2023, on la retrouve aussi à l'antenne d'Europe 1 avec son émission Sophie et les copains. Très active comme animatrice, elle a été interrogée dans les colonnes du magazine Nous Deux, paru le 15 janvier, sur une éventuelle reconversion dans le milieu du cinéma. Je trouve ça problématique vis-à-vis des comédiens professionnels, l'avis tranché de Sophie Davant sur la double casquette acteur-animateur lors d'un entretien avec nos confrères. Sophie Davant a révélé qu'une proposition pour incarner un rôle sur petit écran lui avait déjà été faite, c'était il y a environ 4 ans. La fille du scénariste Jean-Loup Dabadie voulait que je sois l'héroïne d'une série. Confie-t-elle à Nous Deux. Si l'animatrice avait envisagé de se plonger dans le milieu des séries, elle n'a pas pu accepter l'offre à ce moment-là à cause de son planning déjà très chargé. Les responsables de France Télévisions ne semblaient pas très chauds, redoutant que je ne puisse pas tout mener de front, surtout avec deux émissions quotidiennes. Ajoute-t-elle. Sans filtre, l'animatrice a saisi l'opportunité pour donner son avis sur les animateurs reconvertis en acteurs, d'autre part, faire jouer des animateurs de la maison, je trouve ça problématique vis-à-vis des comédiens professionnels. Si je voulais vraiment devenir actrice, je m'aillerais atteler sérieusement, comme pour tout ce que je fais, comme l'a fait Alessandra Sublet, par exemple. Certes, ça m'amuserait, mais je n'y pense pas tous les soirs en m'endormant. Point. Alessandra Sublet a en effet arrêté les plateaux de télévision pour se livrer entièrement à sa passion pour la comédie. En 2022, elle décrochait son premier rôle sur Netflix dans le film de Leïla Sy et Kerry James. Sophie Davant pourrait-elle suivre le chemin de l'ancienne présentatrice de CST Canteloup? L'animatrice a laissé entendre que la porte n'était donc pas fermée. J'avais peur de muser, Sophie Davant évoque son départ d'affaires conclues. Depuis son départ d'affaires conclues, Sophie Davant n'a pas manqué de souligner qu'elle n'avait jamais souhaité quitter l'émission, mais qu'elle avait été évincée du programme. Interrogée par Nous Deux, elle prend du recul sur la situation et affirme, ce n'est pas facile de quitter une telle histoire, d'autant que je n'avais pas prévu d'arrêter. En continuant à faire conclure, j'avais peur de muser en même temps que l'émission. Point. Toujours en quête de nouveautés, l'animatrice n'est pas prête de s'arrêter, comme elle l'avait confié à Télé Loisirs dans une précédente interview, « Je n'ai jamais envisagé d'arrêter de faire de la télé et je suis très ouverte aux nouveaux projets. » Just